Je dirais d'abord que nous sommes dans une civilisation d'image et que ça a pris un tour particulier précisément à la première moitié du XXe siècle. Et c'est quelque chose que les nazis et Hitler ont très bien compris. C'est non seulement une idéologie totalitaire et meurtrière telle qu'on la connaît, mais qui a joué très rapidement et sur une recherche graphique et sur une recherche de la représentation. Quand vous voyez les marches au flambeau, les uniformes des SS, la croix gammée, vous sentez qu'il y a là une recherche, et on sait qu'Hitler lui-même a travaillé sa gestuelle de manière à impressionner les foules et à lui envoyer une image de consistance. Et puis je crois que le deuxième élément, c'est un élément de plus de contenu, le fait que les nazis ne sont pas la seule idéologie totalitaire, mais le fait qu'ils aient d'une part commis un génocide avec des moyens d'État, et d'autre part qu'ils aient perdu. Et donc que l'ensemble de leurs outils visuels et de propagande soit délimité à une période figée dans le temps, que ce n'ait pas eu le temps, comment dire, de se diluer dans le temps, comme ce qui aurait pu se passer si par hasard ils avaient gagné, leur donne, à mon avis, une aura de mythe, d'idéologie, notamment graphique, extrêmement forte, et répond à un besoin très anthropologique que nous avons d'essentialiser le mal, de lui donner certaines couleurs, de lui donner un nom, de lui donner des traits. Voilà, à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous pouvez taper sur Google les chats qui ressemblent le plus à Hitler ou les maisons qui ressemblent le plus à Hitler, vous allez trouver des occurrences, parce que c'est très facilement représentable en quelques traits. Bah d'abord, le mécanisme du mème classique, c'est-à-dire que comme on l'emploie 10 ou 20 fois, on trouve déjà drôle l'idée de maintenant le plaquer sur n'importe quoi. Il y a un phénomène d'habitude avec cette séquence qui est devenue culte. Elle est à mettre en. La chute, quand même, marque un épisode intéressant parce qu'il fait partie, avec d'autres œuvres comme La part de l'autre, d'Erich Emmanuel Schmidt et deux, trois autres sujets, on a pu soupçonner ces œuvres de vouloir faire trop de désacralisation, d'essayer de rendre Hitler trop humain. Précisément au moment où tout s'effondre pour lui. Et la séquence dont on parle est celle où, effectivement, ces généraux essaient de lui faire passer le message que là, quand même, ça sent vraiment le caramel fondu et que c'est un petit peu fichu. Et donc, c'est à la fois quelque chose de fascinant du point de vue historique et c'est le lieu où effectivement, comme un dictateur sanguinaire peut prouver qu'il perd les pédales et qu'il pète les plombs, et ben vous pouvez, voilà, comme c'est la force qui s'effondre, celle dont on vient de parler tout à coup, vous pouvez l'utiliser à chaque occurrence où on doit traduire l'idée que des plans qu'on croyait éternels, et surtout en politique, et qu'on croyait sûrs, s'effondrent tout à coup. Et voilà, je crois que c'est un gimmick très contemporain. C'est sans doute faisable parce que la guerre a déjà 60 ou 70 ans derrière nous. Et je crois que c'est un trait de culture contemporaine. On est peut-être un peu tôt pour l'examiner, mais je crois que c'est quelque chose. C'est une relativisation salutaire, mais si elle s'ancre sur cette scène-là, la scène où la force devient faiblesse, où il y a un éclair de compréhension comme quoi tout s'effondre, je crois que c'est intéressant. C'est pour ça que ça s'applique tellement à toutes les situations où on a l'impression qu'il y a un château de cartes qui s'écroule.